Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du petit Lenormand. Comme vous le savez, chaque dimanche, je suis très heureux de vous retrouver ici pour partager avec vous ma passion et mes connaissances sur le petit Lenormand. Avant de débuter la vidéo, je tiens, comme je le fais tous les dimanches, à remercier toutes les personnes qui prennent la peine de regarder les vidéos, de commenter, de mettre des pouces bleus. Et aussi, ceux qui viennent de nous rejoindre, les nouveaux abonnés, bienvenue à bord. Nous allons, chaque semaine, je vous emmène au pays du Petit Lenormand, où on explore les différentes façons qu'on peut utiliser ce jeu. Et mon travail, vraiment, c'est de vous guider et de vous inspirer aussi à voir le Petit Lenormand d'un œil nouveau. Pas le vieux petit oracle de nos grands-mères et que on n'a pas trop envie de l'utiliser parce qu'il est vieux, parce qu'il n'est pas adapté à notre vie moderne. Donc, détrompez-vous, cet oracle ancien est très actuel. Il faut juste savoir comment l'utiliser et je serai votre guide chaque semaine pour vous aider à utiliser ce jeu avec aisance et simplicité. La rubrique de la semaine, on va parler de cartes négatives et de cartes positives. Donc, beaucoup de personnes me demandent comment tu fais pour trouver autant de choses sur le petit Lenormand. Ben, vous savez, quand vous avez travaillé autant de temps avec un oracle et que vous l'utilisez tous les jours, c'est sûr que, comment dire, elle n'est plus un outil, elle est un style de vie. Donc, et moi, je regarde de près, j'ai la chance de pouvoir, comment dire, former des personnes à la voyance, aider ces personnes à s'ouvrir à leurs dons et aussi à apprendre le petit Lenormand. Donc, je vois un peu les difficultés, les faiblesses, les choses que les personnes se confrontent. Et ces difficultés m'inspirent à faire des vidéos et à aider les personnes nouvelles ou même les personnes qui ont pratiqué le petit Lenormand depuis longtemps, mais de les faire, comment dire, voir un peu la modernité que ce jeu peut avoir dans notre vie de tous les jours. Donc, dans un oracle, que ce soit le petit Lenormand, que ce soit les cartes à jouer, que ce soit le mythique tarot de Marseille, on a deux groupes de cartes. On a un groupe de cartes qui représente les cartes négatives, donc qui représente les difficultés, les tourments, les échecs, les réponses non. Et nous avons d'un côté des cartes positives qu'on aime tous voir arriver dans notre jeu, et ces cartes-là prédisent de bonnes choses, de belles surprises, des cadeaux, de l'amour, des réponses positives, et voilà, tout plein de choses. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu le concept de cartes négatives et de cartes positives, et comment elles agissent dans un tirage, et comment ce simple concept peut vous aider à répondre à des questions très vite. Sachez que l'oracle du Petit Lenormand est un jeu de vitesse, d'accord? Contrairement aux autres oracles, on a besoin d'étaler le jeu et de réfléchir, de chercher dans les images des réponses. Ce jeu, il est direct. Il va vous dire oui, si c'est oui, non, si c'est non, et s'il y a des solutions, il va aussi vous les proposer. Donc c'est un jeu qui est terre à terre et c'est pour ça que c'est un jeu qui est formidable, d'accord? Donc, on revient à notre concept de cartes positives et de cartes négatives, d'accord? Donc, quand vous avez des cartes positives, comme je l'ai dit, c'est toujours des bonnes choses qui vous arrivent, d'accord? Donc, plus de cartes positives dans un jeu vous donnera une tendance à la joie, à la réussite et vers une satisfaction, un contentement, d'accord? Donc, si par exemple, vous tirez les cartes à Marie, et elle vous demande, vais-je trouver l'amour? Ben, vous avez le bouquet, vous avez la lune, vous avez le soleil. Donc, vous n'avez pas besoin d'être très expert en petit Lenormand. Vous savez déjà que, écoutez, je vois de bonnes cartes, il n'y a que des bonnes cartes. Donc, c'est sûr, tu vas trouver l'amour. D'accord? Donc, pareil, si on a Marie qui revient, qui nous demande, vais-je trouver un emploi? Et on a les cartes comme le cercueil, on a les cartes comme la faux, on a les cartes comme les nuages. Donc, on sait qu'il y a des difficultés de discernement, il y a des difficultés de choix, il y a des problèmes. Et que je ne pense pas que tu vas avoir ce travail. Donc, déjà là, on sait, on a notre première approche des cartes négatives et des cartes positives.
D'accord? Déjà avec ça, vous pouvez déjà débuter un tirage, peut-être pas avoir des détails précis, mais on a une réponse qui est concrète, qui est juste. D'accord? Donc maintenant, ça arrive des fois qu'on a des tirages et on a un mix de cas positifs et de cas négatifs. D'accord? Il faut savoir que les cartes qui sont positives, quand elles sont proches des cartes négatives, elles vont diminuer l'ampleur des cartes négatives. D'accord? Elle va, comment dire, transformer un peu l'énergie de ces cartes pour les rendre un peu plus positives. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles vont changer les cartes négatives en cartes positives. D'accord? On prend l'exemple. D'accord? Je fais ma petite coupe de cartes que je fais tous les jours et j'ai le bouquet et le soleil. C'est super. On sait qu'aujourd'hui, je vais peut-être avoir un cadeau, une belle surprise avec le bouquet. Et le soleil, c'est toujours quelque chose qui est plaisant, qui vous fait sourire, qui vous apporte de la joie. Donc, on sait que la journée, elle est impeccable. D'accord? Maintenant, je change les cartes. J'ai le bouquet et j'ai les souris. D'accord? Le cadeau reste toujours le cadeau. L'action est toujours là. Mais qu'en est-il du résultat? Alors, c'est peut-être un cadeau qui va me faire stresser. D'accord? Ou peut-être c'est un cadeau que j'aurais dû avoir, mais qu'on a égaré, qu'on a perdu. Vous voyez? Elle atténue un peu les cartes négatives, mais elle n'enlève pas cet aspect négatif. Il faut toujours penser à ça. D'accord? C'est pas parce que qu'on a plein de cartes positives que obligatoirement la carte négative va devenir positive. Non. Elle atténue cette influence négative, mais la négativité est toujours là. Faites très attention. Faites très très attention à ça. D'accord? On va prendre l'exemple de la faux qui annonce, voilà, une fin, une coupure, une décision, une blessure. D'accord? Avec une carte positive, la signification de la faux va toujours rester la même, mais l'ampleur de ses dégâts vont être diminuées. D'accord? Comme par exemple, on a la faux et le soleil, on sait que il y a danger, mais que peut-être si on fait attention pour échapper à ce danger, le soleil, la visibilité, si on regarde bien, on peut peut-être trouver le piège. Ça peut être aussi, si je change les cartes, j'ai le soleil et la faux, ça peut être aussi une belle journée ensoleillée, mais faites attention aux blessures, donc je peux peut-être attraper un coup de soleil. La journée reste toujours belle malgré tout, mais il y a quand même une part de problème. Donc, il faut toujours faire attention, j'insiste dessus, parce que c'est les bases du petit Lenormand. Ça peut être naturel pour certains, ça peut être normal, peut-être certains d'entre vous vont dire, ben, ça on le sait déjà, ça on le sait déjà. Mais il y a d'autres personnes qui débutent dans le petit Lenormand, qui savent peut-être que les cartes positives sont bonnes et négatives sont mauvaises, et quand on a un mix des deux, peut-être on est un peu dans la balance, mais dans quel sens? Vous voyez? Donc, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à bien comprendre comment les cartes peuvent tourner. D'accord? Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les associations. Il faut connaître vos associations de cartes. D'accord? Comment dire? C'est le langage de cet oracle, au fait. Les cartes ne sont jamais lues toutes seules, elles se lisent en paire, minimum, par deux cartes, et c'est la combinaison de chacune avec l'autre, c'est ça qui construit un langage, qui construit une phrase. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps à écrire un livre complet dessus, qui s'appelle Le Guide des associations du Petit Lenormand, qui vous donne la combinaison d'une carte avec les 35 autres. Et pour chaque carte, vous avez un minimum de trois scénarios ou trois significations. Et c'est à vous, après, d'après votre contexte, d'après votre question, votre situation, de changer un peu comment dire, de changer un peu le contenu que je vous ai donné. Ce que je vous donne dans ce livre, c'est vraiment pour débuter, c'est pour comprendre et aussi avoir des réponses. Mais aussi vous faire voir comment ces combinaisons de cartes peuvent être lues. Alors maintenant, nous allons parler d'un autre scénario. Admettons qu'on a beaucoup de cartes négatives
D'accord? Et on a très peu de cartes positives. Est-ce que ces cartes négatives vont enlever toute la positivité des bonnes cartes? D'accord? Admettons, on fait un tirage de 7 cartes, par exemple. On a 5 cartes qui sont vraiment négatives, les plus vilaines qu'on trouve dans le jeu, le serpent, le cercueil, les nuages, enfin, tout ce qui est pas bien, et qu'on a à la fin, ben, les deux petites cartes, bouquet, on va dire, et l'enfant. D'accord? Et donc, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va dire. Est-ce qu'on va dire que le bouquet se transforme en quelque chose de méchant et l'enfant aussi? Non, il faut savoir que l'influence des cartes négatives va diminuer l'ampleur. Si, au fait, c'est une question de dominance, d'accord? Les cartes négatives qui dominent vont tempérer, vont diminuer l'influence des cartes positives. Et vice-versa. Les cartes positives vont tempérer, vont diminuer la profondeur et l'affliction des cartes négatives. D'accord? Les négatifs avec les positifs, quand ça domine, ça va rester toujours négatif, mais on a quand même un petit grain d'espoir que les choses pourraient être bien. D'accord? Comme par exemple, je vous dis, on a un tirage de 3 cartes, on a le serpent, on a les nuages, et après on a le soleil. D'accord? On sait qu'il y a des problèmes, des trahisons, des mensonges, des manipulations, on est dans le brouillard, on est manipulé, voilà, on est utilisé. Mais on vous dit que il y a une porte d'issue, il y a quand même le soleil. D'accord? Même si c'est pas comme, même si les nuages cachent un peu le soleil, il y a quand même une petite lueur d'espoir. Et c'est à vous maintenant, on peut maintenant demander aux cartes, qu'est-ce que je pourrais faire pour accéder à ce soleil? Pour accéder à cette clarté. Donc là, on peut recouvrir le soleil pour avoir une carte conseil. D'accord? Et il faut surtout pas retirer plus de cartes qu'il ne faut. Je le répète toutes les semaines. Ça ne veut pas dire quand vous avez beaucoup de cartes que vous aurez beaucoup de réponses et beaucoup de choses à dire. Non. Souvent, des fois, quand on a beaucoup de cartes, on ne prend pas le temps d'analyser la chose. On court à travers les cartes pour avoir beaucoup de mots à dire. Mais c'est pas le but. D'accord? Un petit tirage donne vraiment beaucoup de réponses. Vous n'avez pas besoin de faire un grand tableau pour répondre à une petite question. Vous faites un petit tirage et vous l'aurez. Donc voilà, je vous ai expliqué comment les cartes positives peuvent influencer les cartes négatives et comment les cartes négatives, elles, peuvent influencer les cartes positives. Faites un essai. D'accord? Posez une question. Est-ce que je vais avoir de l'argent? Est-ce que mon copain va m'appeler aujourd'hui? Si vous êtes étudiant, par exemple, demain, est-ce qu'il y aura un examen de contrôle demain, après-demain, ou quel jour? Vous faites un tirage. Et quand on compte le nombre de cartes positives et négatives, le tirage de 3 n'est pas suffisant. Il faut faire un minimum de 5 cartes. Là, je vous laisse quand même retirer plus de cartes. 5 cartes et vous comptez combien de positifs il y a. Plus de positifs, oui. Moins de positifs, non. C'est un simple tirage du oui et du non, sans aller dans l'interprétation de ces 5 cartes. Juste, je veux avoir une réponse. Est-ce que j'aurai des sous? J'ai pas besoin de regarder s'il y a l'ours. J'ai pas besoin de regarder s'il y a les poissons. J'ai pas besoin de voir s'il y a le soleil ou la clé. Non. On mélange. On fait une ligne de 5. On regarde le nombre de cartes positives. Plus de positifs, oui. Plus de négatifs, non. Ce sera votre devoir pour cette semaine, si je peux vous dire. Faites des tirages et laissez vos tirages dans les commentaires de cette vidéo. Et dites-moi aussi si la réponse elle est valide. On peut aussi, pour tester l'oracle, on peut aussi poser des questions qu'on connaît déjà. Les réponses. D'accord? Ou sinon, vous le faites avec un ami ou un collègue ou voilà, ou un autre abonné de la chaîne, bien sûr, vous pouvez aussi jouer entre vous. La personne vous pose une question qu'elle connaît déjà la réponse, par oui ou par non. Comme par exemple, est-ce que j'ai déjà été divorcé ou est-ce que j'ai 2 enfants, est-ce que j'ai une sœur? Donc, des petites choses que vous ne connaissez pas la réponse, mais que la personne, elle connaît. Vous faites le petit tirage et vous regardez comment l'oracle vous répond.
Question de la semaine, elle nous vient d'une abonnée, d'une charmante abonnée qui, elle aussi, est créatrice de jeux. Et elle m'a posé la question, est-ce que le Petit Lenormand peut être lu à l'envers, comme on le ferait avec un jeu de 32, de cartomancie ordinaire, ou avec le tarot de Marseille? Donc, moi, je n'utilise pas cette méthode. Traditionnellement, le Petit Lenormand se lit toujours à l'endroit. Quand on fait un tirage, qu'on a une carte qui est renversée, on la remet tout simplement à l'endroit. Des fois, par exemple, si je mélange, parce que avant de tirer les cartes pour une personne, quand j'ai fini avec celle d'avant, je prépare mon jeu pour mon tirage suivant et je remets mon jeu tous à l'endroit. Je les remets tous à l'endroit, je les prépare, je prie, je médite, s'il faut brûler l'encens de la sauge, je fais ces petites choses pour me préparer et je tire les cartes. Donc il y a très peu de chances pour qu'une carte devienne à l'envers. Mais des fois, s'il y a une carte qui sort à l'envers, je la remets à l'endroit et je prends une note mentale parce qu'elle peut me pointer du doigt. C'est déjà arrivé qu'elle me pointe du doigt une situation que j'aurais peut-être du mal à comprendre et que cette carte est complémentaire du tirage que je vais faire. D'accord? Donc, mais traditionnellement, je le dis aussi dans mon livre « The Art of Lenormand Reading », le Petit Lenormand n'est pas lu à l'envers. Les Russes et certains Allemands lisent le Petit Lenormand à l'envers. Ça, c'est leur école, on va dire ça, c'est leur tradition. Mais d'origine, je vous parle du concept du jeu, de la création du jeu, de The Game of Hope. Les cartes ne sont pas lues à l'envers, elles sont lues toutes à l'endroit. Alors, pour la vidéo de la semaine, je vais utiliser le Magistral Lenormand. Ça, c'est la version de luxe. Et vous avez les bords dorés. Voilà. Et c'est un jeu que j'adore. Que j'adore. Et qui reprend un peu, voilà, les jeux anciens du Petit Lenormand, mais un peu revisité à ma sauce. Donc, on va utiliser cet oracle pour cette semaine. Donc on va faire comme on fait d'habitude, hein. On va faire nos trois tas de cartes et moi j'aime bien les faire en direct, j'aime pas les préparer d'avance, j'aime bien avoir l'énergie du moment. Donc je mélange et on va tirer trois tas de cartes. Donc vous pouvez déjà essayer de formuler votre question. Et moi je conseille beaucoup aux personnes qui posent des questions aussi, qui font des tirages, parce que la question est clé dans le Petit Lenormand. Si on a une mauvaise question, enfin pas une mauvaise question, mais une question qui est mal formulée, on aura, voilà, une réponse qui est un peu erronée. Donc moi je conseille aux personnes d'écrire la question. Quand vous l'écrivez, quand elle est devant vous, c'est plus facile de corriger ou de la modifier à votre guise pour qu'elle soit une question bien faite et parfaite, on va dire. D'accord? Alors, vous pouvez écrire votre question, aussi poser une question à l'oracle sur la semaine, ce que vous devez savoir, ce que vous devez comprendre. Et aussi, vous pouvez choisir une réponse, enfin une question que je répondrai par oui ou par non. Alors, je laisse un peu mes mains. J'aime bien aussi ressentir un peu les cartes. Des fois, c'est le côté visuel. Je regarde et là, j'ai envie d'utiliser un peu mon ressenti. Je ferme les yeux et je scanne les cartes avec les paumes de ma main
Et des fois, c'est chaud, des fois, c'est froid, des fois, c'est électrique. Donc, à vous de choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Aussi, je voulais. La semaine dernière, j'avais dit qu'on allait faire une vidéo bientôt sur les pierres et que j'allais demander à Frédéric, un de mes amis, un bon ami à moi, qui connaît voilà, pas mal de choses sur les pierres et qu'il a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaux spécimens de pierres en sa possession. Et voilà, donc je suis en train de voir avec lui un jour où on pourrait voilà, se rencontrer, faire la vidéo. Ce sera pas tout de suite par contre parce que lui il travaille toute la semaine donc c'est pas possible de voilà de se libérer et après le week-end il y a les enfants donc faire des vidéos avec les enfants c'est pas commode donc on va essayer de voir un peu comment on fait mais c'est sûr qu'on va faire une vidéo sur les pierres vous expliquer un peu voilà il faudra que je travaille un peu sur la présentation de la vidéo je pense qu'on va parler un peu des pierres comment elles fonctionnent comment on peut les purifier. Et aussi, si vous avez des questions sur les pierres, bien sûr, je vous invite à les poster en dessous de cette vidéo et de la mettre dans vos commentaires. Donc, choisissez et on va commencer par le tas numéro 1. Alors, on a l'enfant, on a le vaisseau et on a la croix. D'accord, donc je commence toujours comme vous l'avez remarqué par la carte centrale et nous commençons avec le vaisseau. Le vaisseau, c'est une carte de changement, c'est comment dire, une carte de mouvement. Alors cette semaine, il y aura pas mal d'énergie qui vont bouger autour de vous, il y aura pas mal de choses qui vont bouger. Vous allez peut-être faire aussi des petits voyages, des petits déplacements. Donc voilà, 1 heure de route, 2 heures de route, on va dire 3 heures maximum. Des petits voyages et vous aurez aussi où vous irez voir aussi quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui a besoin un peu d'être réconforté par la croix. D'accord? Cette semaine, les énergies bougent mais elles sont encore lourdes. C'est des énergies nouvelles avec l'enfant, mais on voit qu'avec la croix, c'est toujours des choses qui sont lourdes et difficiles à portée difficile à assimiler. D'accord? Donc, il faudra vraiment mettre, comment dire? Il faut déjà que vous soyez calme. D'accord? Et aussi, on vous dit de ne pas prendre les choses au premier degré. Avec l'enfant, on est toujours, comment dire? Il y a de la douceur, il y a un peu plus de, comment dire, de jovialité, de spontanéité. On ne prend pas les choses au premier degré. D'accord? Et la croix en carte conseil, carte nue en troisième position, elle vous montre que il faut garder espoir. D'accord? Même si les choses sont difficiles, que peut-être vous ne voyez pas les changements arriver, mais sachez que derrière les rideaux, comme au théâtre, derrière les rideaux de la destinée, il y a des choses qui se passent. Il y a des situations, il y a des synchronicités, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Et vous verrez ça d'ici peu. D'accord? Parce qu'on termine avec la croix. La croix, c'est la dernière carte du petit Lenormand. Ce qui fait que les énergies qui vont arriver seront des énergies nouvelles, plus frais, moins difficiles et moins compliquées. D'accord? Alors, je dirais que votre réponse, je ne dirais pas un non, parce qu'on a une carte positive, l'enfant, on a une carte neutre et on a une carte négative. D'accord? Donc on a une carte de chaque nuance. Et pour votre réponse du oui ou du non, je vous dirais un peut-être. D'accord? Tout va dépendre de comment vous naviguez votre barque. Tout va dépendre comment votre morale va agir. D'accord? Si vous gardez un moral frais et que comment dire, vous descendez un peu la pression, la réponse serait oui.
D'accord? Donc ça, c'est votre premier tas pour cette semaine. Alors, le deuxième tas, si vous avez choisi ce tas de cartes, nous avons la clé, nous avons les nuages, très sombre, on va dire, sur ce jeu. Et nous avons aussi Maman Ours, l'ours. Alors, quand on regarde à ce petit tirage-là de trois cartes, on voit tout de suite qu'il y a des bonnes cartes quand même. Hein. On a la clé, la meilleure carte du jeu, parce qu'elle vous dit que si vous avez cette clé à proximité de vous, les choses ne peuvent être que positives. D'accord? Mais on a quand même au centre les nuages qui viennent gâcher un peu l'envers du décor. Alors, ce que moi je dirais de ce tirage, c'est que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir réussir vos projets. D'accord? Mais il ne faudra pas laisser les personnes envieuses. Souvenez-vous que l'ours a aussi la signification d'être envieux, surtout quand elle est accompagnée de mauvaises cartes. D'accord? Là, elle fait face aux nuages très sombres, aux nuages de la confusion, aux nuages de l'aveuglement, aux nuages aussi des mirages. On vous fait croire des choses qui n'existent pas. Donc, votre réalité est modifiée. Donc, on vous dit, ne laissez personne venir gâcher votre chance et votre opportunité. D'accord? Ne laissez pas les personnes envieuses, les personnes qui veulent. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça, qui ne se réjouissent pas de votre bonheur. À la place de vous féliciter, de vous dire que c'est bien, ils vous disent pourquoi que c'est pas moi. Ou sinon, moi aussi, j'aurais bien aimé être comme ça. Donc, il y a des personnes qui sont malheureusement comme ça, qui le font peut-être sans vraiment être. Comment dire? Sans vraiment savoir ou sans vraiment se rendre compte de ce qu'ils disent, c'est pas bien. Mais bon, ça c'est leur comportement. Dans des questions de relations, parce que moi souvent je vois ce schéma de cartes quand il y a une séparation, un divorce ou un litige, que voilà, donc il faudra pas laisser les autres venir vous embêter. Vous avez des clés en main, vous avez le potentiel, vous avez la chance, vous avez tout ce qu'il faut, mais ne laissez pas les autres venir brouiller votre perception et votre bonne vision. D'accord? Et votre réponse à votre question du oui ou du non, c'est un oui. Avec la clé, c'est toujours oui, malgré qu'il y ait des cartes difficiles dans le jeu. La clé, c'est la meilleure carte du jeu. Elle débloque tout, elle ouvre tout. Donc il faut vraiment faire attention à son placement quand vous faites un tirage, surtout quand vous faites le grand tableau. Il faut voir si elle est proche de vous, loin. Si elle est loin, malgré que vous avez le soleil, que vous avez, on va dire, la lune, que vous avez le bouquet, on vous montre qu'il y a des joies, mais ce sont peut-être des choses qui sont passagères parce que vous avez la clé loin, surtout quand c'est un projet, on vous dit que voilà. Il faudra mettre toutes les chances de votre côté. Alors, tas numéro 3. Let's go. Alors, ok, la première chose qui me frappe, ce sont les deux femmes. Donc, je vais vous expliquer après. Hein. Donc, on a la cigogne, on a le bouquet, on a le cœur. D'accord? Et ce qui m'a attiré le premier, c'est les deux dames, la dame de cœur et la dame de pique, qui apparaissent dans le jeu. D'accord? Donc, deux dames, pour moi, des fois, c'est une rivalité. C'est aussi que les choses ne sont pas aussi jolies avec le bouquet qu'elles le semblent. D'accord? Alors, sinon, l'énergie de cette semaine, elle est bonne. C'est une énergie nouvelle avec la cigogne. C'est quelque chose qui. C'est la carte du printemps. Hein? Avec encore une carte du printemps, le bouquet. Le joli bouquet de fleurs. Ces cartes-là sont un peu. Glacée, donc elle reflète un peu la lumière. Donc voilà, le bouquet de fleurs. Donc on vous dit que l'énergie va être positive. D'accord? Il y aura plein de choses qui vont se passer cette semaine. Surtout si vous êtes déjà dans un couple, que vous avez déjà un mari, un compagnon ou un concubin. On vous dit qu'il y a la flamme qui comment dire, qui se réveille.
D'accord? Avec le cœur et le bouquet, on ne peut que s'aimer, on ne peut que se faire de câlins, on ne peut que, voilà, que se faire du bien, on va dire entre guillemets. Et avec la cigogne, si on a envie de bébé, si on veut tomber enceinte, cette semaine, elle est fertile. Les bouquets représentent la fertilité parce que les fleurs sèchent pour donner place aux graines. Vous voyez un peu comment le Lenormand peut être interprété d'une différente façon. D'accord? Et c'est la graine après qui se développe en un organe, un organisme, pardon. Le cœur, c'est un organisme. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que je vais tomber enceinte bientôt? La réponse est oui. Et à toute autre question que vous avez posée, en choisissant ce paquet, la réponse, elle est oui. D'accord? Les choses peuvent paraître difficiles parce que souvent la cigogne aussi, c'est une carte qui vous demande d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus élevée, de regarder plus haut, comme dirait ma chanteuse préférée, Tina Arena, aller plus haut. Donc il faut avoir une perspective de hauteur, de détachement pour pouvoir comprendre un peu ce qui va se passer cette semaine pour vous. Donc voilà, petit tirage pour vous pour cette semaine. Et dites-moi bien sûr ce que vous en pensez dans la boîte de commentaires au-dessous de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté de l'inspiration et qu'elle vous a guidé un peu à comprendre mieux les cas. Avant de vous quitter, je tenais à vous dire que, à part des vidéos du dimanche, que je fais maintenant régulièrement, tous les dimanches, et quand je ne peux pas, comme la semaine dernière, je devais aller déposer ma maman à l'aéroport, parce qu'elle partait en voyage, donc j'ai dû faire la vidéo un peu plus avant, quelques jours avant, et je l'ai postée, je crois que c'était le vendredi, pour être sûr que vous, abonnés, vous ayez quelque chose à regarder. Je voulais pas vous laisser voilà sans vidéo et vous laisser comme ça. Donc, quand j'aime bien honorer ma part du marché, si on peut le dire comme ça, quand je fais une promesse, je la tiens. Donc, si toutefois j'ai des voyages, je sais que je vais voyager bientôt, et si je pars en voyage, c'est sûr que je vais programmer les vidéos d'avance. Et je vais les mettre sur la chaîne. Comme ça, vous aurez, pendant que je ne suis pas là, je serai quand même avec vous et vous aurez quand même vos vidéos. Et plus, vous avez remarqué que la semaine dernière, j'ai posté une vidéo de tirage que j'ai fait pour un client. Et ça concernait l'affaire de justice. Et je trouvais que les cartes parlaient tellement bien que ça pourrait être utilisé dans des exercices. Donc, bien sûr, j'ai eu l'approbation de mon client pour partager son tirage, pour partager son histoire, mais je ne partagerai jamais son nom et son identité, bien sûr, parce que la confidentialité chez moi, c'est number one, le numéro un. Je ne transgresse jamais l'identité des gens, même quand j'écris des livres, quand je donne des interprétations de tirages que j'ai fait pour les gens, que les gens ont fait pour eux. Je change toujours les noms. Et je demande bien sûr avant à la personne si elle est d'accord que j'utilise son histoire comme support d'enseignement. D'accord? Donc j'ai fait le tirage et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai vu à travers ce tirage et je vous donne aussi à vous l'opportunité d'interpréter ce tirage, d'être mes yeux si vous voulez, d'être dans ma situation. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu, qui ont donné leur scénario et ce qu'ils auraient dit dans le tirage. Beaucoup de personnes ont touché juste, d'accord? Je n'ai pas pris le temps de répondre individuellement aux gens, d'accord? C'est pas par fainéantie, c'est pas par, voilà, pas parce que j'avais pas envie. C'est que je me suis dit, si je réponds à un, d'accord? Les autres qui vont lire après, ils vont lire automatiquement les commentaires. Et ils vont être influencés par ce qu'ils ont lu dans les commentaires et leur tirage ne sera pas objectif. Donc moi, j'ai pas envie de, comment dire, et c'est pas une compétition aussi, hein. Donc, n'ayez pas peur d'interpréter le tirage, d'accord? Si c'est non, c'est non. Si vous avez mal vu, il y aura personne qui va vous dire que vous êtes nul ou que voilà, que ça ne vaut rien. Au contraire, si vous faites des erreurs, ça, c'est l'opportunité que je vous donne à apprendre
D'accord, j'ai pas compris la tournure des cartes cette fois-ci. Donc la dernière fois, il avait dit que la fausse a coupé toutes les cartes à gauche. Donc là, dans cette situation, vous voyez, on utilise voilà ce que je vous enseigne. Vous allez les retrouver dans cette petite vidéo. Je vais tout simplement vous répondre par étoile. Vous verrez que beaucoup d'entre vous ont eu des étoiles. D'accord? Une étoile, c'est que vous êtes plus ou moins dans le scénario, mais vous êtes encore loin. D'accord? Chaque étoile additionnelle, donc 2 étoiles, 3 étoiles, c'est que vous vous rapprochez beaucoup plus près de la réponse. D'accord? C'est un peu comme le jeu du chaud et du froid. Plus d'étoiles vous êtes chaud, moins d'étoiles vous êtes froid. D'accord? Et bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça sans réponse. Si je poste la vidéo le dimanche, par exemple, je vais vous répondre vers les jeudis ou même vendredi. Ça donnera à tout le monde la chance d'interpréter ce tirage, d'interpréter cet exercice, d'accord? Et je vous donne la réponse et à vous de voir qu'est-ce que vous avez loupé, qu'est-ce que vous avez vu juste, d'accord? Et si vous avez vu juste, bravo, bien sûr. Et je vous encourage à approfondir votre connaissance. Et si vous n'avez pas bien vu, écoutez, ne dites pas que vous êtes nul ou que les cartes ne sont pas faites pour vous. Les cartes sont faites pour tout le monde. Prenez-le comme, voilà, j'ai pas compris, mais je ferai mieux la prochaine fois. Et comme je vous dis, c'est une opportunité encore à apprendre et à développer son don, ses aptitudes à lire le petit dormant. Et si vous avez des questions qui est liée à l'apprentissage du petit Lenormand, vous pouvez la mettre dans les commentaires de cette vidéo. Ou sinon, si vous êtes plus timide, vous pouvez m'envoyer un message privé ici ou sinon sur ma page Facebook. Et ce sera un plaisir pour moi de lire votre question. Et si je peux vous aider, bien sûr, je vais vous aider. Et donc voilà, une très belle semaine à vous. N'oubliez pas encore une fois de mettre un petit pouce bleu. Si vous êtes timide et que vous ne voulez pas commenter la vidéo, je comprends tout à fait. Si vous êtes moins timide, vous pouvez toujours me laisser un commentaire et c'est avec plaisir que je vais les lire et que je vais y répondre. Et abonnez-vous surtout à la chaîne parce qu'il y a plein, 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 plein de vidéos qui vont arriver. Et d'ici quelques temps, quand les choses vont se poser, on va attaquer le grand tableau, la grande image. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ça avec impatience, mais je veux finir vraiment, comment dire, le niveau débutant pour pouvoir vous emmener au niveau supérieur. Très belle journée à tous et je vous retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo.